Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de mon petit ménage du soir. Pour aujourd'hui, je vais commencer par une petite recette de pâte pour le repas de ce soir. C'est vraiment une recette facile à faire. J'ai juste mis de l'eau, rajouter un peu d'huile, je mets les feuilles de laurier, c'est trop bon quand vous faites vos pâtes, vous mettez ça. Je vais rajouter un peu du sel, le bouillon de poulet, les bouillons de bœuf. Vous pouvez rajouter du poivre gris ou noir, voilà, selon vos goûts, c'est trop bon le dé, voilà. Moi, je vais juste mettre les poivres gris dans mes pâtes, c'est trop bon. Pour les pâtes, je vais utiliser les pâtes tortilla. Voilà, c'est trop bon la famille. Là, j'arrange tout ce que j'avais utilisé. C'est juste s'organiser aussi. Je vais rajouter aussi la crème fraîche. C'est trop bon quand vous mettez la crème fraîche dans vos pâtes. Au four, j'avais mis le merguez et saucisse. J'avais l'habitude de faire le saucisse à poêle aux friteuses, mais au four aussi, c'est pas mal. Les enfants, ils avaient vraiment aimé, c'est trop bon. Voilà. Ensuite, je vais mettre le pâte, comme vous voyez, dans l'eau bouillante. Vous mettez des pâtes. Juste après 7 minutes de cuisson, je vais rajouter la crème fraîche. Entre-temps, je fais sortir mes saucisses et merguez au four. Voilà la famille, quand c'est les 10, les routines du soir, c'est un peu difficile à mettre en place. Mais je vous jure, une fois que vous avez mis, vous avez fait vos repères, tout ce que je fais les soirs, j'en aurai tout ça en moins à mon réveil le lendemain. Franchement, ça soulage, ça aide énormément. Pendant la journée, je pourrais m'occuper à faire quelque chose d'autre, moins de stress. C'est juste, ça vous permet de vous organiser à vos manières. Voilà, moi je fais tout ce que je fais les soirs. Peut-être le matin, j'en aurai de moins à faire. Peut-être je vais m'attaquer à faire autre chose. Voilà, ça me laisse vraiment le temps de m'organiser facilement, la famille, facilement. En plus, avec 3 enfants, c'est pas facile, mais j'essaye vraiment de m'adapter à faire des routines à moi. Voilà, là, je vais juste servir. Ensuite, on va passer à table pour manger. Je vous laisse. Voilà, au moment que je préparais les desserts pour les enfants, ma grande fille, elle mettait les assiettes à la machine. Voilà, les garçons, ils l'avaient débarrassé et la fille, elle mettait les assiettes à la machine. Voilà, la famille, c'est tellement important et bien de faire participer les enfants. Franchement, ça aide les enfants parce que là, mes enfants, ils sont un tout petit peu autonomes. Chaque jour, j'essaye d'apprendre à mes enfants à faire quelque chose comme ménage à la maison. Voilà, là, je montre aussi à ma fille comment faire marcher la lave-vaisselle. On ne sait jamais. Voilà, c'est juste pour apprendre. Il y avait aussi Thérèse à côté. C'est tellement bien. Ça nous fait aussi des moments entre filles. Voilà, c'est tellement bien. Les enfants, ils aiment ça. Voilà, ensuite, moi, je vais m'attaquer au nettoyage. Je vais faire mes ménages du soir. C'est vraiment une routine facile. Vous faites selon vos temps, selon votre motivation. Ça aide aussi. Le plaque des cuissons, c'est bien de nettoyer après chaque repas. C'est bien de faire ça, la famille. Vous verrez que vous allez garder vos plaques longtemps et ça sera toujours nickel. Voilà, ça fait plus de 7 ans que j'ai ça, mais regardez l'état. C'est toujours nickel. Les assiettes que j'avais fait à la mer, je vais essayer aussi d'essuyer directement comme il n'y avait pas grand chose. Je profite aussi des fers au lieu de laisser ça le lendemain. Voilà, je fais un coup des microfibres. Oui, c'est pas une chanson, c'est bien. Mettez ça dans votre tête. Vous verrez que vous allez moins de ménage à faire au réveil quand vous faites ça les soirs. Ça aide beaucoup la famille.
Je vais nettoyer, je vais faire aussi les portes de meubles, le port du frigo, la table, histoire de laisser la cuisine propre. Au réveil, je peux faire à manger pour les enfants. J'aurai moins de choses derrière moi après, voilà. C'est l'heure des devoirs, les enfants ils vont faire leurs devoirs. Dites-moi comment ça s'y passe avec vos enfants pour les devoirs. Je sais qu'à la rentrée au début comme ça c'est pas facile, c'est aussi une routine à faire les parents, il faut faire le devoir avec les enfants. Regardez au moins tout ce que les enfants ils ont comme devoir. S'ils ont des difficultés, vous pouvez aider les enfants, réviser à la maison, c'est bien pour les enfants. Voilà, Thérèse aussi elle faisait ses puzzles d'alphabet. Sa maîtresse elle avait donné des puzzles d'alphabet pour faire à la maison, c'est aussi bien parce que ça l'occupe aussi malgré qu'elle est en maternelle, mais j'ai trouvé vraiment l'idée c'était parfaite. Moi aussi j'ai adapté, je m'y sens en place à la maison, je fais l'alphabet avec elle, voilà la famille, et ensuite je vais ranger aussi les habits. Je vais déjà faire sortir les habits pour le matin, comme ça les matins je cours pas des partout à chercher encore le tennis pour les enfants. C'est ce que je fais les soirs, c'est bien de faire ça aussi. Voilà, je cherche les habits en même temps, je fais les devoirs avec la famille. Pour mon garçon, c'est son première année au collège. Du coup, moi, je n'ai pas fait les études du collège ici en France, donc je m'adapte un peu. Vraiment, il faut regarder aussi les cahiers, surtout les horaires. Au début, c'est pas facile pour eux. J'essaye de regarder et de voir tout ce qu'il a déjà mis dans son sac. Voilà, c'est vraiment bien. Ça vous éviterait aussi de courir les matins que l'enfant il a oublié son cahier, il faut ramener à l'école. Et surtout si vous travaillez. Et je sais pas si je me suis présentée. Moi, c'est Stella. Je suis une mère au foyer, maman des trois enfants. Je vis en France, je fais ces genres de vidéos de motivation, je partage vraiment mon quotidien. J'essaye en paix de vous montrer mon organisation que je mets en place pour s'organiser, pour garder sa maison propre, des routines ménage du soir. Voilà, c'est vraiment bien, ça aide beaucoup la famille. Essayez de mettre en pratique. Voilà, faites vos routines à vous, j'insiste pour ça. Vous pouvez pas adapter vos routines directement. Vous dites je vais faire ça 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 comme Stella elle avait fait au fur et à mesure, vous verrez ça va devenir une routine. Les enfants ils vont dormir, l'heure de dormir. Quand c'est l'école il faut vraiment qu'ils dorment tôt pour se réveiller en forme le matin. Voilà, les enfants ils vont dormir et moi je vais finir le reste de mon ménage pareil. Thank you.
Voilà la famille, c'est vraiment ma routine du soir, ma routine ménage du soir. Malgré que j'ai trois enfants, j'essaie vraiment de m'organiser, hein. C'est vraiment l'organisation totale. Si vous vous organisez, je sais, avec la fatigue accumulée pendant la journée, c'est dur de faire le ménage, c'est dur de s'organiser, de mettre une routine pour les soirs. Mais franchement, la famille, vous allez voir, vous aurez moins à faire pendant la journée et vous serez moins fatigué les soirs. Voilà, c'est vraiment ce que je voulais partager avec vous pour une maison propre, pour garder votre maison propre. C'est faire le routine du soir comme ça aide beaucoup la famille. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo, ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner, partager, liker la vidéo, commenter la vidéo, activer la cloche des notifications. Comme ça, vous serez notifié à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et surtout n'oubliez pas la prière. Bye bye!